Un film d'eau savonneuse se forme dans un cadran U dont les deux branches sont reliées par un fil de coton. Pour limiter son contact avec l'air, le film déforme le fil en arc de cercle. La surface du film est alors minimale. C'est la tension de surface qui confère son élasticité au film. Le trombone oscille. La force de traction du film est suffisante pour maintenir le trombone à mi-hauteur. En tirant sur le fil, on force le film à augmenter sa surface de contact avec l'air. Quand le film éclate, la force de traction disparaît, la gravité provoque la chute du fil.